WordPress.com, création d'un nouvel article. Notre site web, sur sa page d'accueil, présente notre seul et unique article. Nous allons à partir de maintenant créer un deuxième article en reprenant très rapidement l'ensemble des notions étudiées préalablement. Pour créer un second article, je vais me remettre sur l'interface d'administration, donc sur le back-office. Là, je suis sur la recette salade de penne. Pour revenir au menu principal, je clique sur le logo de l'IUT, puis je fais voir les articles. Et là, je remonte au niveau principal. Je suis dans la section articles, j'ai un article salade de penne et je vais créer un deuxième article. Ce deuxième article, on va le créer en cliquant sur le bouton ajouter. Je vais donc ajouter un deuxième article qui sera l'article risotto. Alors, on va essayer de récupérer dans notre fichier compressé, la package ressources, on va essayer de récupérer le texte de la deuxième recette. Donc, je le mise dans téléchargement. Le fichier, une fois décompressé, je rappelle, on fait un clic droit, extraire tout pour décompresser ce dossier. Et en double-cliquant dessus, on a l'ensemble des recettes. Donc, salade de penne, nous l'avons déjà fait. Nous allons maintenant nous intéresser à la deuxième recette qui est le risotto. Risotto comporte un titre que je vais appeler risotto de céleri et de noisettes. Donc, je vais retourner sur mon interface d'administration. Là, j'ai ajouté un titre à l'article. Donc, je vous ai dit risotto de céleri et noisettes. Alors, j'ai oublié l'accent à céleri, donc il me le souligne. Alors, j'ai les deux orthographes. Normalement, céleri, c'est un accent aigu. Donc, on va mettre comme ça. Risotto de céleri et noisettes. Et en dessous, on va coller la recette. Cette recette, donc, a été dans mon texte Word, qui se trouve ici. Et je vais copier-coller l'ensemble de ce texte. Copier, je bascule sur mon back office, commencer par saisir du texte et je colle. J'ai à présent un document assez important. On va commencer à faire un peu de mise en forme. Alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est essayer de sélectionner risotto de céleri et noisettes ici et de le mettre en gras pour le faire ressortir. Je clique sur le B et on va peut-être faire deux ou trois autres petites options de mise en forme. Donc, en ce qui concerne la ligne ingrédients, on va la mettre centrée, gras et italique. Donc, je sélectionne gras, italique, et le centrage, c'est l'alignement qui se trouve ici. Voilà, et donc on retrouve bien ce texte en plein milieu. Je vais bien entendu faire la même chose pour les autres sous-titres. Préparation. Gras, italique, centré. Et il me semble que j'en ai encore un autre, un peu plus bas. Oui, bon appétit. Gras, italique et centré. Ceci étant fait, on va s'intéresser à nos ingrédients. Donc, il y a pas mal d'ingrédients, de un petit céleri boule jusqu'à persil. Tout ça, ça va constituer une énorme liste à puces. Donc je vais sélectionner, je vais descendre jusqu'à persil, et là on va mettre liste à puces. Donc on change le type paragraphe et on le met en type liste. Voilà. Hop, je suis allé un peu trop loin puisque lui je l'ai mis en liste. Donc on revient en paragraphe. Le problème c'est qu'en revenant en paragraphe, c'est tout qui revient en paragraphe. Donc je resélectionne les bons paragraphes et surtout pas prendre le dernier comme je l'ai fait tout à l'heure et je le remets en liste à puces. Voilà, ceci étant fait, on va vérifier quand même l'orthographe s'il n'y a pas de faute. On l'a vu tout à l'heure, céleri, en oubliant l'accent, eh bien il était souligné rouge. Il suffisait de faire un clic droit dessus pour corriger les fautes. On va s'occuper maintenant de la ligne préparation. Alors, la ligne de préparation,
Ah, elle doit être en gras. Attendez, hop, faut que je clique dessus. Voilà, gras italique centré. Elle s'est remise à gauche, je ne sais pas pourquoi. Hop, on va la remettre au centre. Ah, c'est quand j'ai dû faire la liste à puce. On va ensuite s'occuper des deux petites lignes qui sont en dessous. Alors, temps de cuisson et temps de préparation, on va le mettre en italique pour le faire ressortir un petit peu. Juste italique. Temps de cuisson, juste italique. Voilà. Et puis ensuite, nous allons rajouter on va aussi les mettre en gras, ça sera mieux. En fait, je vais tout mettre en italique. Voilà, on met les deux lignes intégralement en italique. Et puis le texte, temps de cuisson, on va le mettre en plus en gras. Et le texte, temps de préparation, je vais le mettre également en gras. Voilà, ça ressortira un peu plus que le 1 euro, que le 1 heure. Une fois que nous avons fait ça, j'aimerais quand même rapprocher ces deux lignes de temps, parce que là j'ai deux paragraphes différents. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste à gauche le temps de cuisson. Vous voyez, j'ai mon point, mon curseur là qui est juste à gauche. Je vais faire un retour arrière. Du coup, temps de préparation et temps de cuisson se trouvent sur la même ligne. Et pour faire un retour ligne et non pas un changement de paragraphe, je ne vais pas appuyer sur la touche Entrée, mais je vais appuyer sur la touche majuscule Entrée. La touche majuscule, c'est celle qui est à gauche du symbole inférieur et supérieur. Ce n'est pas la majuscule continue qui est à gauche du Q. Donc ces deux lignes sont très proches l'une de l'autre, puisque je suis toujours dans le même paragraphe. On va terminer par placer quelques petites images. Donc, on va se mettre entre risotto et ingrédients, là, entre ces deux lignes-là, et on va essayer de placer une première image. Donc, on va prendre un bloc image et on va téléverser une image que l'on va trouver dans le package de ressources. Et là, j'ai un certain nombre d'images qui concernent le risotto, normalement. L'image que je souhaite placer sera céleri-noisette.jpg. Je clique dessus, j'ouvre et l'image va se télécharger et apparaître. J'aimerais que cette image soit centrée, donc on va gérer l'alignement et mettre aligné au centre pour qu'elle soit bien au milieu. Ensuite, je vais aller dans le bandeau de droite. Si ce bandeau de droite n'est pas apparent, je rappelle que là, il y a un petit bouton réglage qui permet de le masquer ou de le faire apparaître en cliquant dessus. Et on va lui mettre une taille originale. Donc au niveau de la taille, si je descends, on a résolution grande. J'aurai aussi, j'ai d'autres options, hein, et là j'ai la taille originale, ce qui peut modifier un petit peu sa taille suivant la façon dont l'image a été prise à l'origine. Je vais également rajouter un texte alternatif qui sera risotto de céleri et de noisettes. Voilà. Et on va essayer de mettre un petit contour autour. Pour cela, on va aller dans l'onglet Bordure. Hop, on va se mettre ici. Et là, je vais essayer de choisir une bordure avec, on va dire, une bordure qui fasse 4 pixels. Donc, je vais essayer de placer déjà une bordure. Alors, une bordure du automne 4 pixels. Voilà, je vais mettre aussi des bords arrondis, ce qui me permettra comme ça de rendre l'image un peu plus jolie. Et puis, je vais jouer sur le rayon à 30 pixels pour que ça ne fasse pas un cercle, mais que ça fasse plutôt un rectangle aux angles arrondis simplement. Comme j'ai déjà fait pas mal de travail, je vais enregistrer le brouillon. Un article, tant qu'on est en train de le rédiger, il n'est visible par personne. Par contre, ça ne me dispense pas de l'enregistrer. Je vais cliquer sur Enregistrer le brouillon. Ce que
je vais faire, c'est que je vais aller voir sur mon site si on voit quelque chose. Comme je viens de le dire, un article, tant qu'on le rédige, n'est absolument pas visible, puisque je suis pour l'instant sur la page d'accueil. Si je veux quand même avoir une idée de ce à quoi cela ressemble, je peux le prévisualiser ici avec ces boutons, hein, ce sont des aperçus en tablette ou en téléphone portable. Je reviens en ordinateur de bureau, ça me donne un premier aperçu de ce à quoi va ressembler mon document. Si mon article est finalisé, à ce moment-là, je vais pouvoir le publier. Et à partir du moment où je l'aurai publié, il sera visible par tous. Donc, je vais cliquer sur le bouton « Publier » deux fois. La publication de mon article est en train de se réaliser. Voilà, c'est mon premier article que je réalise. Il me le signale, il me félicite. Et je vais donc visualiser un petit peu le résultat. Donc, j'actualise. Et là, j'ai mon premier article qui est ici. Donc j'ai toujours ce petit problème de cache qui m'empêche de voir vraiment mon article. Pourtant, il est bien publié. Je vais cliquer sur « Voir l'article », ce qui me permettra comme ça d'avoir un aperçu directement. Voilà, donc là, j'ai bien Risotto de noisettes, j'ai ma petite image, j'ai mon texte qui est bien présenté. Donc ça, c'est un aperçu, mais je suis connecté, donc je n'aime pas trop passer par ce modèle-là, parce qu'en fait, on n'a pas un rendu réel. Mais lorsqu'on a ce problème de cache, ça me permet au moins de visualiser un petit peu le résultat. Si je reviens sur mon back-office principal, vous voyez qu'à présent, j'ai bien deux articles. Un qui s'appelle salade de penne, l'autre qui s'appelle risotto. Et quand je vais sur mon document principal, il devrait finir par se rafraîchir. Là, toujours pas. Donc, je vais attendre un petit peu. Et peut-être faire encore quelques modifications si j'ai besoin de le faire. Je vais peut-être le mettre en pause. Voilà, donc là, je viens d'attendre quelques minutes. Et maintenant, quand je suis sur Avotalk, on voit risotto de céleri et noisettes. Là, je suis en page d'accueil. J'ai donc ma recette risotto de céleri en entier. Puis en dessous, j'ai mon premier article qui a vieilli, donc qui n'est plus en numéro 1, mais qui est passé en numéro 2. Nous sommes donc en présence d'un blog avec le dernier article publié qui apparaît tout en haut du fil d'actualité. Donc j'ai ensuite mon deuxième article, salade de penne. Et ainsi, quand j'aurai un troisième article, il apparaîtra. Si maintenant je veux voir mon article risotto de céleri, je clique dessus et là je suis réellement sur l'article risotto de céleri et de noisettes. Voilà donc pour mon blog qui à présent commence à prendre forme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis surtout à vous abonner pour voir toutes les petites nouveautés que je vais rajouter dans les vidéos suivantes. À très bientôt !